c'est la soirée de l'élocution de notre cher président. Et donc nous sommes censés voir s'il y a des conserves de casseroles ici. Ça, c'est notre mairie, qui est un très joli bâtiment. Nous avons actuellement une mairie de droite depuis deux mandats. Un mandat et demi, pour être précis. Donc, ben voilà. Alors ici, c'est Villemur. C'est une ville de 6000 habitants. Le problème qu'il y a dans ces villes, ben, c'est que c'est une petite ville, en fait, donc qui n'a strictement aucun pouvoir, aucun moyen d'action, quasiment, puisque les petits maires sont plutôt enfoncés et engoncés dans les règlements et les lois. Voilà. Ils ont plus de comptes à rendre que de choses à faire par eux-mêmes. Alors voilà, le 20h approche, c'est-à-dire en fait le moment de l'allocution de notre président. Et donc, je pense que là, ce sont des gens qui n'ont pas voté pour lui, en fait. Alors, cette mairie de Villemur, pourquoi elle est de droite? Ben, tout simplement parce que ben, y a pas d'opposition. Donc, le champ est libre à tout le monde. Donc ici, on vote RN et on vote à droite. La gauche est totalement inexistante, puisque avant, c'était un fief socialiste. Et que la droite est d'ici, et le Parti Socialiste, ils font cause commune. Et donc, maintenant, ils sont quasiment indistincts. Voilà. Donc, 20h. On est parti pour un tour de Villemur. Ça vient ?